Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être consacrée à l'un de mes genres de livres préférés, c'est-à-dire les classiques. Alors, je vous ai demandé sur Facebook si vous seriez intéressé par une vidéo qui donnerait des conseils pour bien débuter la lecture de classiques, enfin bien débuter en tout cas pour débuter la lecture de classiques pour les personnes qui n'y arrivent pas mais qui aimeraient bien s'y mettre et qui ne savent pas ni par où commencer, ni que faire si on n'arrive pas à finir un classique, etc. etc. Du coup, je me suis dit que peut-être ça pourrait vous servir. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer très rapidement. Je ne dis pas que les classiques, ce sont les meilleurs livres du monde. Je ne dis pas qu'il faut lire des classiques et je ne dénigre pas les autres genres de livres. Voilà. Je le dis parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui vont me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Donc je vous le dis maintenant, je referme la parenthèse, mais au moins c'est clair. Alors ces conseils que je vais vous donner sont strictement personnels, c'est-à-dire qu'ils viennent de mon expérience personnelle. Alors évidemment, ils n'ont pas une valeur universelle et évidemment, ce ne sont pas les conseils... Enfin, il peut y avoir énormément d'autres conseils que peut-être d'autres personnes vous donneront. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas vous à en donner. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, pourquoi lire des classiques? Alors, il y a mille raisons de lire des classiques. Je vais vous parler de quelques raisons comme ça, mais évidemment, ce ne sont vraiment que quelques raisons très ciblées et d'un point de vue, encore une fois, personnel. Alors, la première raison est très terre-à-terre et vraiment très très pragmatique, mais tout bêtement, les classiques, ça peut vous aider à avoir de bonnes notes, voire de meilleures notes. Alors, évidemment, ça ne concerne que les personnes qui sont au collège, au lycée, qui font des études supérieures ou qui vont passer des concours. Donc, je suis désolée pour les autres qui travaillent déjà, mais j'ai d'autres raisons que je vous exposerai après. Donc, je pense que ça peut être une très bonne idée de lire des classiques si vous suivez encore un cursus scolaire ou si vous comptez passer des concours. Tout simplement parce que si vous avez lu un classique, que vous l'avez bien compris, et que vous arrivez à le mettre, à prendre un peu de distance avec lui, vous pourrez toujours le citer dans une dissertation par exemple, ou dans toute autre épreuve, et ce sera un plus. Et ce que j'ai remarqué dans ma scolarité personnelle, c'est que toujours savoir bien placer un classique, c'est valorisé, et ça attire l'œil de l'examinateur qui se dit bah, cette personne, cet élève, il a lu des choses, il sait en parler, ça se voit qu'il a lu parce qu'il cite des choses très précises et ça donne une très bonne image. Donc c'est vraiment un plus. Alors après, attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire citer des classiques tout le temps. Parce que là ça fait un peu louche, ils vont se dire oula c'est bizarre, il a dû apprendre des résumés par cœur, je ne sais pas, non. Ce qu'il faut c'est... Quand vous lisez un classique et que vous avez envie d'en parler plus tard, c'est de bien l'assimiler, bien le regarder dans son contexte et à partir de là, vous pourrez vous en resservir comme vous le sentez. Et je vous assure que, enfin, moi je vous le dis à titre personnel, ça m'a beaucoup servi, ça me sert encore. Même à bac plus 4, ça me sert encore. Donc il faut vraiment pas hésiter à citer des classiques du moment qu'ils sont bien cités. Une autre raison de lire des classiques, cette fois-ci, qui concerne tout le monde, c'est que ça va tout simplement vous apporter une forte culture générale. Ça va vous aider à mieux connaître aussi bien l'histoire que la philosophie, que la géographie, la géopolitique. Les classiques, ça vous apprend énormément de choses, puisque au-delà du roman lui-même, il y a un contexte derrière que vous allez être vraiment imprégné. Donc vous allez connaître des choses, une autre vision de celle qu'on vous apprend tous les jours. Par exemple, typiquement, quand vous étudiez l'histoire, parfois ça peut être rébarbatif pour certaines personnes. Bah, si vous lisez par exemple un Zola, donc Germinal, l'Assommoir ou quoi que ce soit, vous allez avoir une autre vision du classique et vous allez avoir une autre vision de l'histoire qui sera plus vivante. Et je pense que ça peut être... pas mal pour votre culture générale, pour améliorer votre culture générale. Une autre raison de lire des classiques, c'est tout simplement pour connaître les grandes références de la littérature. Si vous aimez lire, c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qui a été reconnu, qu'est-ce qui est encore reconnu aujourd'hui, pourquoi ça a été reconnu, quel code ça a cassé ou quel code ça a instauré.
Et tout ça, ça vous servira dans vos lectures d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous lisez un roman contemporain, vous pourrez le mettre en perspective par rapport à ce qui s'est fait par le passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et je pense que ça développera vraiment votre sens critique et vous arriverez peut-être plus à faire la part du bon, du moins bon, etc. Donc ça, c'est 4 raisons assez choisies arbitrairement par moi-même pour vous encourager à lire des classiques. Il y en a évidemment plein d'autres raisons, mais je vais pas m'attarder 150 ans. Si vous avez d'autres raisons, dites-les. Mais voilà, donc en tout cas lire des classiques, ça ne vous apportera rien de mauvais, ça c'est sûr. Par quel classique commencer? Alors ça c'est une très très bonne question, puisque les classiques, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose, c'est une catégorie qui est très fourre-tout, c'est-à-dire que ça va vraiment prendre en compte des choses totalement opposées. Donc par exemple, ça va être des romans, ça va être des nouvelles, des pièces de théâtre, de la poésie, vraiment tout un panel de genres et un panel d'époque aussi, puisque un classique de l'Antiquité, c'est pas la même chose qu'un classique du 19e siècle. Et donc il y a vraiment un choix immense qui va s'offrir à vous, et c'est vrai que vous risquez d'être un peu perdu et de ne pas savoir par quoi commencer. Donc je vais vous donner quelques conseils de lecture. Alors, premier conseil, choisissez quelque chose qui est reconnu comme accessible et plutôt court de préférence pour commencer. Typiquement, ne commencez pas par Proust, ne commencez pas par Boris Vian, ne commencez pas par Salinger, ne commencez pas par des choses compliquées, par Céline, voilà. Commencez par quelque chose qui est réputé facile à lire. Donc moi, je pense que l'exemple typique, c'est Maupassant. Maupassant, c'est un auteur qui... C'est un classique et c'est un auteur qui se lit très bien, très facilement. Vous ne serez pas bloqué par le vocabulaire, par exemple, par l'histoire, ni rien. Je pense que c'est un auteur qui est facile à appréhender. Donc... je vous ai sélectionné quelques-uns, donc j'en ai pas beaucoup chez moi parce que moi j'ai tendance à les prendre en bibliothèque, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc voilà, donc typiquement vous avez Belle Amie de Maupassant. Je crois que c'est le premier classique que j'ai lu et que j'ai apprécié. Donc il se lit, vous voyez, il est très court, et encore ça c'est une version où il y a des petits passages en plus. Donc il est très court, il se lit assez rapidement et il est... Franchement, je le trouve accessible. Donc après, évidemment, c'est une question de point de vue. Certains le trouveront peut-être difficile à lire, ça dépend. Mais moi, je ne peux que vous conseiller pour commencer. Ce qui peut être une bonne idée également, c'est de prendre un classique où il y a des explications, vous savez, dedans. Donc typiquement, là, c'est l'édition Bibliolycée. Et dedans, vous avez des petits... vous voyez, des petits dossiers, en fait, avec le contexte historique, des questions... des explications, et ça peut vous aider également à entrer dans le livre, à bien le comprendre, et ça peut être pas mal pour commencer si vous avez un peu peur de ça. Faut pas hésiter, je sais qu'il y a plein d'éditions qui font ça, qui proposent des versions un peu argumentées, un peu augmentées d'un classique, et pour commencer, et même après, ça peut être vraiment très très bien. Donc voilà, donc moi c'est Bibliolycée, c'est chez Hachette Éducation. Je sais pas s'il existe encore, parce qu'il est un peu vieux, mais voilà, ça peut être une bonne idée. Ensuite, si vous ne voulez pas commencer par un roman, sachez que ce n'est pas un problème du tout, parce que vous pouvez commencer par des choses qui se lisent peut-être un peu plus vite, donc typiquement les nouvelles ou les pièces de théâtre. Les nouvelles parce que ça vous fait des tout petits romans, donc des nouvelles quoi, merci. Donc des nouvelles et... Donc moi j'en ai sélectionné un peu, par exemple Edgar Poe, donc les nouvelles histoires extraordinaires, donc c'est des petites nouvelles qui se lisent assez facilement. Ça peut être une idée pour commencer si vous voulez pas commencer par un roman. Ensuite vous pouvez commencer également par les romans plutôt courts, donc par exemple Une vie de Maupassant, encore Maupassant je suis désolée, mais c'est vrai qu'il est très très court. Et c'est un classique comme un autre, qui est peut-être un peu plus compliqué à lire que Belle Amie, je sais pas. Mais voilà, ça peut être une solution. Vous pouvez également choisir vos classiques en fonction de vos goûts personnels. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aimez l'histoire, si vous êtes
complètement dingue d'histoire, que vous adorez ça, et ben vous pouvez commencer par un classique qui a une composante historique. Alors moi par exemple, un des premiers classiques qui m'a marqué, c'est Germinal de Zola, parce que j'aime l'histoire et dans Zola j'ai été totalement conquise, j'ai adoré, ça nous montre la société comme elle était à l'époque et c'est génialissime. Alors Germinal par contre c'est un peu un pavé, donc vous voyez il est assez gros. Mais si vous aimez l'histoire, je pense que vous rentrerez dedans sans souci et que ça vous plaira. Donc Germinal ou les autres, hein, L'Assommoir est très bien aussi. Après les autres, je ne les ai pas encore lus, mais il y en a plein. Donc voilà, donc essayez de faire aussi en fonction de vos goûts. Si vous aimez la poésie, lisez la poésie. Si vous aimez l'histoire, lisez ça. Si vous aimez voyager, prenez un livre qui se passe ailleurs. Si vous aimez l'Antiquité, essayez de lire Homère, par exemple, l'Odyssée ou l'Iliade, qui sont vraiment qui sont des magnifiques livres aussi. Mais si vous aimez la mythologie, par exemple, lisez Homère. Vraiment, faites en fonction de vos goûts. Allez pas lire un livre qui vous savez qui ne vous plaira pas à l'avance. Sinon, ça ne va pas fonctionner, à moins d'un miracle. Quand vous commencez votre classique, pensez également à faire quelques recherches sur internet rapidement, sur Wikipédia, hein, vraiment pas des trucs compliqués, pour essayer de comprendre un peu le contexte du livre que vous lisez. C'est-à-dire que si vous lisez un livre qui se passe au XXe siècle, allez voir un petit peu pourquoi à cette époque, qu'est-ce qui s'est passé, qui était au pouvoir. Essayez de comprendre un petit peu, ça vous aidera à rentrer dans le livre, à comprendre des fois les allusions, parce que des fois l'auteur ne fait des allusions. Et si vous avez une version normale, elles ne sont pas forcément expliquées, donc ça peut être un plus, ça peut vous aider vraiment d'avoir fait quelques recherches et d'avoir quelques liens logiques qui se mettent en place dans votre tête. Et vous n'en savourerez que mieux le livre puisque vous saurez exactement ce que veut dire l'auteur, etc. Enfin, rappelez-vous que les auteurs de classiques ne sont pas forcément franco-français. Vous pouvez trouver des classiques dans la littérature internationale, évidemment. Donc, je ne vous cache pas que celle qui est souvent la plus citée parmi les classiques internationaux, c'est notre amie Jane Austen. Donc là, c'est pas forcément le livre que je vous montre le plus... le mieux choisi, mais vous pouvez tout simplement lire Orgueil et Préjugés ou Léo de Hurlevent, bon c'est pas Jane Austen pour le coup, ou enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas obligé de lire de la littérature française pour lire des classiques. Vous pouvez lire aussi, je pense à Lewis Carroll et Alice au Pays des Merveilles, enfin Anna Karenine, bon Anna Karenine c'est assez compliqué, donc c'est pas la bonne idée de passer par là, mais vous avez vraiment tout un tas de classiques à travers le monde, donc n'hésitez pas à piocher à l'international également. Enfin, j'oubliais surtout, éviter les éditions qui ne vous donnent pas envie de lire, c'est-à-dire par exemple les éditions où c'est écrit tout petit, les éditions où les pages sont trop fines et on a l'impression que le livre n'en finit jamais, les éditions moches, franchement, laissez tomber. Ça sert à rien d'avoir un livre qui paraît ne jamais en finir ou vous faites mal aux yeux pour lire, prenez une édition potable, quoi. Pas une édition, voilà, mais une édition potable, ça vous aidera quand même. Alors troisième partie, comment faire si on n'accroche pas, si on a commencé à lire son classique mais que c'est pas possible, on n'arrive vraiment pas à le finir, on n'en peut plus, que faire? Alors déjà il n'y a pas de miracle, ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas vous forcer. Si vous êtes à la moitié du livre, que vous êtes malheureux, que vous n'arrivez pas à le finir, que ça vous prend la tête, arrêtez, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation à lire des classiques, ce n'est pas, si vous accrochez pas, vous accrochez pas, point. Vous arrêtez le livre, vous le mettez de côté, puis voilà. Alors moi par exemple, je suis jamais arrivée à finir Madame Bovary de Flaubert. Jamais. J'adore les classiques, mais Madame Bovary, qui pourtant est acclamée de partout, moi je n'ai jamais réussi à le finir. Et c'est pas grave, je lis d'autres classiques, quoi, ça m'a pas empêché, ça m'a pas fait arrêter les classiques. Donc si vous accrochez pas, vous accrochez pas, c'est votre droit, ne vous forcez pas, n'allez pas vous dégoûter de la lecture de classiques. En revanche, alors je vais vous dire un peu tout et le contraire, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous accrochez pas dans les premières pages du livre, essayez quand même d'aller un peu plus loin, essayez de lire deux ou trois chapitres quand même, parce que les classiques, ça arrive que le début soit très très troublant, soit vraiment, soit assez étrange, et c'est vrai que ça peut parfois être difficile de se mettre dedans.
Donc je pense par exemple à Salinger, La Trappe-cœur, c'est au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? La vie devant soi de Romain Gary, bon, c'est pas forcément un classique, mais pareil, on se dit, oulala, c'est un enfant qui parle, là c'est bizarre. Donc il y a des choses au début, ça peut vous surprendre, et c'est pour ça que des fois, il faut quand même essayer de persévérer un chapitre ou deux, voire trois, voire quatre, voire cinq, pour voir si c'est pas, s'il faut un petit temps de mise en route, on va dire. Et ça arrive. Donc des fois, faut quand même persévérer, mais bon, pas trop. Si à moitié du bouquin, vous n'en pouvez plus, non, vous arrêtez. Voilà. Mais si c'est les premières, si c'est aux premières pages que ça ne va pas, essayez quand même de poursuivre un petit peu. En profiter ici pour vous parler de quelque chose qui parfois peut poser problème, c'est les lectures obligatoires qu'on vous impose au lycée, au collège et dans les études supérieures, qui parfois peuvent être rébarbatives et peuvent donner une mauvaise image, un mauvais souvenir des classiques. Alors moi la première, je peux vous dire que je détestais ça, je détestais le fait qu'on nous donne un livre à lire et que pendant genre un mois on va faire que de ce livre-là, on va étudier les chapitres les uns après les autres, on va faire des commentaires de texte, ça va vraiment vous laisser souvent un mauvais souvenir et c'est dommage. Alors je vais vous dire que si vous n'avez pas accroché à ces lectures obligatoires, sachez que déjà je vous comprends et je pense que ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que vous aimez pas les classiques, ça veut dire que voilà, que c'est ce livre, ça n'a pas forcément marché, que les lectures obligatoires, ça a quand même un côté, franchement, faut le dire, chiant, quoi. Enfin, travailler pendant un mois le même livre, mais c'est. Enfin, je trouve ça bête parce que franchement, ça a nous dégoûté. Voilà. C'est comme les textes qu'on doit apprendre pour le bac, c'est vrai que ça donne pas envie de lire des classiques. Enfin, ça doit aussi rester un plaisir. Et là, quand on assimile toujours au côté scolaire. L'idée de lire des classiques, c'est dommage. Donc, surtout si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas accroché aux classiques au lycée ou au collège ou après, dites-vous que ce n'est pas forcément pour ça que vous n'allez pas aimer les classiques par vous-même. Ce sera une autre expérience de lecture et je pense que ça peut vous réserver bien des surprises. Si vous n'arrivez pas à accrocher un livre, laissez tomber. Si vraiment ça ne marche pas, laissez tomber. Peut-être laissez passer un peu de temps, faites autre chose, lisez un autre livre, lisez un livre de votre genre de livre de prédilection et revenez-y peut-être plus tard ou quelques années plus tard. Qui sait, peut-être que le livre passera mieux, ça arrive. Mais surtout, n'allez pas déprimer, n'allez pas vous suicider parce que vous n'avez pas fini votre classique, hein. Ce serait bête. Voilà, lire des classiques n'est absolument pas une obligation morale. Et après, donc la dernière partie que j'ai appelée un peu comme ça parce que je ne savais pas comment l'appeler. Donc l'idée c'est que vous avez lu votre premier classique, bravo. Mais maintenant que faire? Et bien maintenant j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Soit vous avez envie de lire des livres de votre genre préféré, genre des romans contemporains, de la chick lit, ce que vous voulez, allez-y. Et si vous avez envie de lire un autre classique, et ben allez-y aussi. Et maintenant, vous pourrez piocher dans tous les classiques que vous voulez. Vous pouvez vous faire plaisir vraiment. Vous verrez que peu à peu, à force de lire des classiques, vous y prendrez, je pense, de plus en plus goût. Et vous arriverez à comprendre des choses que vous ne compreniez pas forcément dans vos premières lectures. Et peut-être qu'après, vous serez amené à relire des livres que vous avez lus il y a quelques années et comprendre d'autres choses. Et je pense que vous verrez que ça vous apportera beaucoup et que dans la vie de tous les jours, vous aurez peu à peu une culture qui sera plus importante. Et je pense que ça peut être que bénéfique. Et surtout, n'oubliez pas que peut-être que vous avez lu un classique et que vous ne l'avez pas aimé. Eh bien, rappelez-vous qu'on a le droit de ne pas aimer un classique. On a le droit de ne pas aimer lire des classiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on a aussi le droit d'aimer lire des classiques, mais de ne pas aimer un classique qu'on a lu. Voilà, c'est comme ça, on a le droit. On a le droit de critiquer les classiques, ce ne sont pas des monuments, intouchables. On a le droit de ne pas aimer, il n'y a pas de honte. Et on peut avoir son propre avis, même sur les classiques. Ce ne sont pas des reliques qu'on doit vénérer, pas du tout. Et donc vous avez le droit, vous pouvez exprimer votre avis là-dessus. Et n'hésitez pas, franchement,
c'est aussi à ça que ça sert de développer son esprit critique. Vous verrez, il y aura des auteurs que vous détesterez, il y aura des auteurs que vous adorerez, etc. etc. Donc voilà pour mes quelques conseils sur les classiques. Donc ce sont vraiment quelques conseils choisis un peu au hasard. Peut-être que je ferai une autre vidéo plus tard avec d'autres conseils. En attendant, j'espère qu'ils vont vous donner envie de lire des classiques ou en tout cas vous aider. Si vous n'aimez pas les classiques, bah tant pis, c'est pas y a pas mort d'homme. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère si vous avez de votre côté des conseils à donner, n'hésitez pas, faites comme chez vous. Et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me dire quels sont vos classiques préférés, etc. Dites-moi tout. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut !